1%. Marine Le Pen à l'Élysée. Pour cette électrice du Nord, c'est la seule réponse possible à un quotidien devenu trop lourd. Déjà, ce qui va changer, ça va être dans les rues. On pourra se promener sans avoir peur, sans baisser les yeux. Parce que quand vous êtes dans mon quartier, moi je sens mon chien, dans les entrées, c'est le shit, dans les escaliers, c'est détérioré, c'est mettre des... Je leur fais pas de mal. Ils se sentent sur deux, alors c'est des bouteilles par terre, ils ont des belles voitures, nous on n'a pas ça. Ils vont en vacances, ils ont tout. Moi, j'ai jamais été en vacances. Moi, j'ai rien, je vis en HLM, avec 640 euros de retraite. Et vous pensez qu'avec Mme Le Pen, ça ira mieux? Oui, je pense que les choses vont changer. On n'est pas, c'est pas du racisme. C'est dire, bon, la France aux Français. Moi, mon fils, il a besoin de travailler. Il travaille depuis 5 ans sans être embauché, il a 30 ans. Et là, on met des migrants, allez hop, on les met dans des villes, il faut leur donner du travail. Ils ont tout ce que moi, je n'ai pas eu en venant en France. Donc, comment voulez-vous que je ne sois pas du Front National? Voilà, témoignage recueilli par Lionel Gougeot.